الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بشفاء الإسلام أشهد أن الله عز وجل a envoyé un prophète parmi tous les Anbiya et les Rasul sur la terre. Allah Azza wa Jal attendait de ce prophète qu'il propage l'intégralité de ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait révélé. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a eu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de propager, d'enseigner à sa umma la totalité des ordres qu'Allah Azza wa Jal lui a donné par le biais de Jibril alayhi salam. Lorsqu'Allah a dit le Coran, يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Allah Azza wa Jal stipule bien que le prophète عليه الصلاة والسلام se doit de propager tout ce qui lui a été révélé. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'a pas réellement parachevé sa mission. C'est-à-dire, si le prophète عليه الصلاة والسلام ne serait-ce, il avait gardé un verset qu'il n'avait pas expliqué, ou un ordre d'Allah, ou une chose qu'Allah aime ou qu'Allah n'aime pas ou qu'Allah a rendu haram, si le prophète ne l'avait pas propagé, alors cela aurait, na'oud billah, aurait voulu dire que notre prophète alayhi salatu wassalam n'était pas un bon prophète et qu'il n'avait pas propagé tout ce qu'Allah ta'ala lui avait révélé comme les anbiya alayhi salatu wassalam le faisaient avant. Et les sahabas radhiyallahu anhum ajma'in, ils expliquent que le prophète alayhi salatu wassalam a tout expliqué. Hadith de Abu Dharr radhiyallahu anhu, il dit avec une métaphore, un exemple, dit que même un oiseau qui vole dans le ciel, à propos de ça aussi, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a donné un enseignement. C'est un exemple, hein, une métaphore pour qu'on comprenne que tout ce qui a pu exister à l'époque des sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué, a donné des explications. Une fois, il y avait un juif, un yahoud, qui a été voir un sahaba, si je ne me trompe pas, c'était Ibn Umar, radiallahu anhuma, en se moquant de lui. Il dit, ah oui, vous musulmans, hein, vous prétendez tout connaître. Vous prétendez que votre prophète vous a tout enseigné. Et le Yahoud, lorsqu'il dit ça, il sait intimement que dans sa religion à lui, tout comme dans la religion qui est venue après eux, c'est-à-dire chez les Nasara, les chrétiens, il n'y a pas eu un enseignement shamil. Il n'y a pas eu un enseignement concernant tous les aspects de la vie spirituelle, mais également les aspects de la vie mondaine. Il n'y a pas des ordres concernant comment diriger un daoula, un pays, il n'y a pas des ordres concernant le commerce. Comme nous, on a, subhanallah, une panel vraiment extrêmement large et complet d'enseignements sur tous les sujets possibles dans la religion et dans le dunya. Les Yahoudis savaient qu'eux, ils n'avaient pas une charia, une religion aussi riche, tout comme les Nasara, ceux qui sont venus après eux. Mais c'était avec une certaine jalousie que ce Yahoud, il a dit donc cette parole en se moquant de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Il a dit que oui, même pour aller aux toilettes, votre prophète vous enseigne comment il faut faire. Abdullah ibn Umar a répondu avec fierté, oui, même pour ce genre de choses, on a l'impression que c'est des choses avilissantes, c'est des choses bas, sans intérêt. Même ça, notre prophète alayhi salatu wassalam a enseigné aux musulmans qu'il y a une éthique, il y a un adab, il y a une manière de faire qu'Allah azza wa jal a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de propager, parce que le musulman c'est quelqu'un qui vit comme Allah le veut et comme le prophète le faisait. Il n'y a pas une action dans la vie que je vais faire comme bon il me semble. Non, c'est toujours, il y a toujours un enseignement qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, et à partir du moment où on se conforme à cet enseignement, ben là on a fait le véritable istislam lillah. Là on s'est réellement soumis à Allah. Si je me dis que mon namaz je fais, zakat je donne, hajj je fais une fois dans ma vie, je fais tel les piliers d'islam, mais concernant mon travail, ça m'aille pas dedans. La religion ne rentre pas dans mon travail. Mon commerce, moi, si je dois emprunter avec la banque, si je dois faire telle transaction, comme ci, comme ça, avec intérêt, de telle manière, ça c'est mon problème, mais je viens à la mosquée. Et je donne l'argent à la mosquée, ça ne vous inquiétez pas. Ben non, cette personne n'a pas amené une religion complète. Parce qu'il a suivi un peu de ce qu'Allah a révélé, et il a suivi un peu de ce que ses passions voulaient. Après tout, minou n'avi ba'adol kitab, yu atakfuru n'avi ba'ad. On ne peut pas prendre certaines choses de la religion et en délaisser. Donc, pour revenir à notre sujet, le thème c'est établir la propagation. Et le prophète alayhi salatu wassalam a tout enseigné, a tout propagé. Et c'était le cas de la totalité des anbiya alayhi salatu wassalam, depuis Nuh alayhi salam, jusqu'à notre prophète alayhi salatu wassalam. Il est dit dans un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu que le jour de la résurrection, Allah azza wa jal appellera le prophète Nuh alayhi salam, qui a invité les gens vers la religion d'Allah pendant combien de temps?
pendant 950 années. C'était la plus grande mission de tous les Anbiya alayhim salat wa salam, la plus grande espérance de vie aussi. Et Allah Azza wa Jal demandera à Nuh, hal ballaghta? Et Allah il sait, Allah Ta'ala il sait que subhanallah, Nuh alayhi salam n'a pas laissé une personne sans qu'il n'ait propagé, hein, ouvertement ou en secret, dans toutes les manières possibles. Et Nuh alayhi salam répondra, na'am ya Rab, oh Allah, je te promets que j'ai propagé. Et Allah Azza wa Jal demandera à sa ummat, est-ce que Nuh alayhi salam vous a propagé l'ordre d'adorer Allah et de ne pas lui associer d'autres divinités? Et là, les personnes qui n'ont pas cru en lui diront, Maja'ana min nadir, oh Allah, personne n'est venu nous voir. Donc ils vont mentir. Et là, on demandera à une certaine quantité de personnes d'attester que Nuh a propagé sa mission, et ses shuhud, ses témoins, ce seront qui? Ce seront notre prophète alayhi salatu wa salam et sa communauté. C'est-à-dire que tous les anbiya ont propagé, et notre prophète alayhi salatu wa salam attestera que même depuis Nuh alayhi salam, la propagation s'est faite. Et en parenthèse, les ulama rahimahullah, ils expliquent que, ils soulignent, regardez l'importance qu'aura cette umma et le prophète alayhi salatu wa salam le jour de la résurrection, que même si lui il a été envoyé des siècles et des siècles après, Allah Ta'ala se servira de l'attestation de shahada du prophète alayhi salatu wa salam, même pour la mission de Nuh alayhi salam. Alors où est-ce qu'on va venir? Que tous les anbiya ont propagé, notre prophète alayhi salatu wa salam a propagé, mais là où on distingue notre communauté des autres communautés, c'est que l'ordre de propagation englobe également chaque ummati. Il n'y a pas une personne de cette umma qui n'a pas sur ses épaules ce amana, cette responsabilité de propager la religion d'Allah Azza wa Jal. Hein, verset très connu, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est ce qui distingue cette communauté par rapport aux autres communautés. L'ordre est donné par Allah, chaque musulman, de propager. C'est une mission que chaque personne a en fonction de sa capacité, en fonction de sa science, en fonction de ce qu'il maîtrise concernant la religion. Il se doit de le propager aux autres musulmans. Parce que le problème, c'est quoi? Si un musulman voit son prochain accomplir un péché et qu'il se tait, il ne dit rien. Parce qu'aujourd'hui, on vit un mode de vie extrêmement individualiste. Hein, même on voit quelqu'un d'un problème, malheureusement, il n'y a même plus de fraternité, de solidarité. Vous voyez quelqu'un dans la rue, il est paumé, il a un problème, il a un pneu crevé, ah, je ne m'arrête pas. Peut-être que c'est un brigand, peut-être qu'il veut quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un de pas clair, etc. On se méfie de tout le monde. Et concernant le mode de vie et les échanges dans la société, ben, il n'y a plus d'échange. On échange peu avec ses voisins, avec les gens qu'on voit. Mais dans le din, il ne doit pas y avoir d'individualisme. Si nous voyons quelqu'un dans l'erreur, nous nous devons de rectifier l'erreur. Lorsque le prophète Al-Islam dit, celui qui voit quelque chose de mal, qu'il essaie de rectifier le mal, soit par un geste, s'il ne peut pas, il le fait par sa langue. C'est-à-dire, il va dire à la personne, attention, mon frère, là c'est l'heure de la salat, tu sais, il est 8h, plutôt que de rester, je dis ça au hasard, plutôt que de rester dans le parking en train d'écouter la radio, ou je ne sais pas, mais en train de fumer, ou en train de parler avec tes amis, la salat va commencer. Si on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de venir à la salat, dit que tu es musulman, c'est ton devoir de te rendre à la masjid pour accomplir la salat. Maintenant que la personne vienne ou non, ça c'est entre lui et Allah. Par contre, si moi je n'ai pas fait mon devoir, je ne l'ai pas mis en garde, je ne l'ai pas dit, ben c'est entre moi et Allah maintenant. Lui il est pécheur pour ne pas avoir fait l'ordre, pour ne pas avoir respecté l'ordre d'Allah, mais moi malheureusement je serai également pécheur parce que j'étais dans la possibilité de lui dire quelque chose, de lui, là, d'essayer d'agir ensemble pour qu'il ait la hidayah, mais je ne l'ai pas fait. Donc ce sera une question qu'Allah Azza wa Jal me posera le jour des hisab. Il se peut que moi, dans ma relation avec Allah, il n'y a aucun problème, je fais mes salats, je fais mes ibadat comme il le faut, mais le simple fait de laisser quelqu'un dans l'erreur, sans le rectifier, ça c'est déjà un péché. Alors maintenant, il y a des gens qui se disent que oui, mais ça c'est travailler les anbiya. Ou alors on a dit que oui, mais ça c'est les alim qui doivent faire. Non, ça c'est pas mon travail, ça n'a pas de s'apprendre, c'est à eux de faire. Ils ont partiellement raison. Mais à partir du moment où cela concerne une question qu'on ne maîtrise pas, si vraiment on voit quelqu'un quand on fait une action qui n'est pas bien, mais je ne maîtrise pas, je ne suis pas capable de lui dire pourquoi il ne faut pas faire, quels sont les versets qui mettent en garde, là d'accord, on va essayer de voir quelqu'un de plus compétent, il va essayer de prendre le relais, et toi tu as la science, explique-le. Mais si c'est quelque chose de simple, par exemple venir faire la salat, il n'y a pas besoin d'être un grand cheikh ou le hadith d'un grand mufti pour connaître qu'il y a 5 salats obligatoires par jour, et que le hadith que le voisin me dit, en ce sens que quand quelqu'un entend le hadan dans un endroit,
ne faut pas qu'il quitte, qu'il aille ailleurs. Hein, parfois, des gens, ils viennent au fiat, ils sont un peu pressés. L'adhan est donné, mais ils font la namaz et puis ils partent. C'est pas bon, ça. Ça, c'est notre devoir. Si on voit quelqu'un qui fait ça, même si la personne est pressée, on se doit de le dire que, cher, ou alors mon ami, adhan a été donné. Et quand adhan a été donné dans une localité où on se trouve, on ne doit pas quitter la localité pour aller ailleurs. Pas question de faire sa salade seule et partir. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, c'est lorsque le prophète, alayhi salam, dit que...